Est-ce que tu vas regarder? Il paraît qu'il va être hors de la peine. J'ai assez vu d'exécutions comme ça. Mais je devrais y emmener mon fils. Il fait des conneries à l'école. Je vais lui montrer ce qui attend les mauvais élèves. Et s'ils épargnaient le rouge, et qu'ils l'envoyaient creuser des tunnels? Dans tes rêves. D'accord, mon cher. Ça pour toi de regarder une raison. Un mec qui gigote en pissant dans son froc, y a rien d'original. C'est bon pour le moral. Ça renforce la discipline. Merci. Qui est là? Merde, ma chance, je vais me choper la crève. Qu'est-ce qui se passe? Oh merde. Mon de sommeil me fait délirer.
Qu'est-ce qui se passe? J'ai sauvé Pavel de la pendaison. Il dit qu'il m'amènera aussi près de police que possible. Ensuite, je contacterai l'ordre pour les informer de tout ce qui s'est passé. Le chemin vers le célèbre théâtre se trouve dans les catacombes. Je n'y ai jamais mis les pieds, et sans mon nouvel ami, je serais sûrement complètement perdu. J'espère qu'il connaît son chemin. Wow, c'est du beau travail, Artyom! Comme les trois mousquetaires, hein? Enfin, s'ils étaient deux. T'as déjà lu ce livre? Il est complexe, mais je l'ai adoré. J'ai toujours voulu être Athos. Toi, tu peux être D'Artagnan, d'accord? Allez, on n'a pas le temps. Il faut aller au théâtre. Ensuite, tu vas à la police et je retourne dans la ligne rouge, ok? Merde. Ça me plaît pas qu'ils aient laissé tomber et qu'ils aient fermé la porte derrière nous. C'est mauvais signe. Sont rapides. Les balles ne servent à rien. Et s'ils craignent la lumière, alors on va leur en donner. D'accord? Un effondrement? Ah! On dirait qu'ils ont fait sauter le tunnel. Il y a peut-être un truc de l'autre côté que les balles n'arrêtent pas. Attends. Qu'est-ce que c'est que ça? Un courant d'air! On doit pouvoir traverser!
Artyom, aide-moi avec ça. Machin n'ont pas pu faire ça. Merde. Il doit y avoir de plus grosses bêtes. Artyom, attention de ne pas les réveiller. Merde! Ils sont pas loin! Attends, Artyom, doucement! Pas prudent. Préparez bon. Allons-y! Jusqu'à ce qu'ils se mettent sur le dos, compris? Ces fumiers ont horreur de la lumière. Allez, suis-moi. Saloperie! Artyom! La lumière! Grave-la, merde! Tiens, prends ça, saleté! Ouh! Merci, mon vieux. Un pour tous, hein? Super, ça devrait marcher. Artyom, Artyom, viens m'aider à tirer dessus. Comme moi.
Dans la voiture! Tire tant qu'il est sur le dos! Allez, je vais t'aider. Merde! Faites son devant! Artyom, aide-moi! Plus vite, allez, plus vite, plus vite! Est-ce que ça va, Artyom? Allez, on y va. C'est allumé, là. Allons-y. Alors, ça vous plaît, hein? Vous en pensez quoi, seul fumier? Wow, c'est bon, on craint rien ici. Attends un peu, Artyom. C'est dangereux sans lumière. Laisse-moi fabriquer une torche. Parfait. Lumière. C'est bon, on y va. Merde. Artyom, reste près de moi. Merde! On dirait une serrure électrique. Bon, les câbles vont... Et voilà. Ah, par là. Hé, hey, regarde, D'Artagnan. Y a de la lumière. Si tu suis les câbles, tu devrais trouver une boîte à fusibles. Ça devrait ouvrir la porte. Mais la batterie est sûrement morte. Quand tu la trouveras, attache-y ton chargeur et on tentera d'ouvrir la porte, compris?
c'était super, Artyom. Bonne idée. Ouais. Bon. Et de une. Suis-moi. On est presque arrivé au théâtre. L'entrée du métro ne doit plus être loin. Mais peu importe la distance, il va falloir la parcourir à la surface. Et là-haut, chacun de nos pas peut être le dernier. On y est, mon ami. Allez, ressaisis-toi, on a très peu de temps avant la nuit, compris ? Bon, avec l'effondrement du tunnel, le seul moyen d'atteindre l'escalator pour aller au théâtre, c'est de passer par la surface. Et crois-moi, mieux vaut éviter d'être coincé ici dans le noir. Super, on a de la chance, mon ami. Cet endroit semble habité. Sûrement par des rangers, enfin, je crois. Et quand il y a des rangers... Merde ! Je manque de filtre. Il va falloir faire avec. Bon, allez, prends ce qu'il te faut. On est tous frères dans le métro. Hé, mon vieux. Ta montre me serait bien utile. C'est bien de savoir combien il reste d'air, pas vrai ? Tu sais, il paraît qu'il y a des trucs ici qui résistent même aux balles. T'as vécu de sales moments, je sais. Mais attends-toi au pire. Artyom, n'oublie pas. Si tu veux vivre, tu dois toujours rester sur tes gardes. Pigé ? Impressionnant. On m'a parlé de cet endroit. Cet avion allait à Moscou quand toute la ville a pris feu. Ouais. Le bâtiment où il s'est écrasé, c'est l'entrée du théâtre. La glace fond ici. C'est presque comme le printemps, hein, mon ami? On vivra peut-être jusqu'en été. Attends une petite minute. Il doit y avoir un passage souterrain par ici. Les rangers ne traverseraient pas la place à découvert. Ok. On pourrait marcher sur cette aile, là. Bon, dommage pour le soleil. Ces nuages sont arrivés vite. Un officier de la ligne rouge, putain. Par ici, allez! Voilà le passage. Dépêchons-nous. T'as trouvé des choses, mon ami? Hé, Artyom, préserve ta lampe de poche. Couvre-moi et couvre les coins. Touche pas.
Cherche des filtres, Artyom. Tu peux changer de masque, mais fais vite. Ce pauvre gars a plus besoin du chien. Espèce d'ordure. Je crois que je vais vomir. Fais attention. Il paraît que ces tunnels cachent autre chose. Un bon communiste ne croit pas à l'âme, Artyom. Mais ce putain d'endroit me trouve. Ça va, mon vieux? T'es tout couvert de sang. Artyom, stop! Baisse-toi, vite! Les voleurs! Merde! Grand meute! La tempête doit les attirer. Reste calme! Si on repère, ils vont nous massacrer. C'était moins une. Bon, Artyom, finis des conneries. Faut aller à l'avion avant qu'une autre meute se pointe. Dépêche! On m'a déjà parlé de cet endroit. Il paraît qu'il y a des trucs étranges. Vite, dans la trappe de secours! Hé, essaie de l'ouvrir! Je vais te couvrir! C'est coincé? Merde! Essayons ensemble! Hé, hey Artyom! Faites pas les plombs là-dedans! C'est bien compris? Allez, on y va! Un ranger m'a dit que c'était un vol pour Majorque. Des familles de retour de vacances, tu vois? Tu sais, Artyom, j'ai jamais vu la mer. Ni même jamais vu la mer. Ouais, bah... c'était pas prévu. Je me sens... je sais pas... je me sens bizarre. Artyom, tu vois ce merdier, toi aussi? Artyom! C'est quoi, ça? Regarde ça! Hé! Ils sont vivants!
s'est passé? Bordel! Merde! On perd de la puissance! Tour de les moteurs sont morts! Ici le vol 76-715! M'aider! C'était clair! Demande-leur! Merde! Plus de tour! Tonya! On va s'écraser! La vitesse! Que les deux astuces ne marchent pas! On n'a aucun chiffre! Oh mon sang! Merde! Qu'est-ce qui se passe? L'entrée est à l'arrière de ce bâtiment. Merde, un démon! Vite, tue-le! Bousille-le! Hurleur. On a à peine eu le temps de s'éloigner de l'avion. On y était presque, hein? Prépare-toi! Ils arrivent de l'étage du dessus! Prochain carrefour! Il faut y aller! Vite! Suis-moi! Plus vite! Plus vite! Viens par ici! Je suis là! Suis-moi! Je suis là! Allez! Aide-moi un peu! Plus vite! En voilà d'autres! Merde! Il faut trouver l'entrée! Au-dessus de toi! Encore un! Merde!
dois avertir la station. Va jusqu'à l'escalator. Dépêche-toi, vite. Descends, ils sont toujours à nos trousses. Santé, non ?